Ça fait un petit moment que j'attendais ça, d'être au sanatorium de Dreux, ça y est, j'y suis. Plus précisément, je suis à la maison de repos, donc c'est une annexe du sanatorium de Dreux. Cette maison de repos dépend d'un centre aéré qui est situé juste à côté, donc on va aller voir ça de plus près. Ça fait un petit moment que j'en parle de ce sanatorium de Dreux. Ça fait un petit moment, ça fait je crois bien 5 mois que j'en parle, ça fait bizarre, ça fait c'est étrange d'être là en fait, vraiment étrange. Voici le centre aéré qui est situé là-bas. Je vais zoomer pour que vous puissiez le voir. Donc vous pouvez constater que le bâtiment est rénové par rapport au bâtiment de la maison de repos. On va aller déjà dans un premier temps dans ce bâtiment. Je vais vous faire une visite guidée. Hop là. Voilà l'entrée de la maison de repos. Je vais allumer ma torche, donner un petit coup de pêche. Bon, ça change pas grand chose. Bon, ça c'est le hall principal, vous devez vous en douter. On ira tout à l'heure au premier étage. On va commencer par les couloirs, que je vous montre à quoi ça ressemble. Bon, après, pour savoir quelle pièce c'était ici, ça va être compliqué, honnêtement. Bon, par déduction, on pourra dire qu'il y a eu beaucoup de chambres. Là, d'ailleurs, on peut dire que c'était une annexe, une cuisine. Non, je pense que ça devait être là la cuisine, parce que vous voyez, il y a un espèce de monte-charge. Donc ça servait, je suppose, à monter la nourriture au premier étage. Et pour descendre les couverts qui étaient bons à laver. Donc là, ça doit être une verrière. Je vais faire attention, si vous voyez, les bouts de verre sont en train de tomber. Donc là, qu'est-ce que c'est ici? Alors, je n'ai aucune idée. C'est un débarras, un petit KGB. Beau tableau électrique. Ça m'étonnerait qu'il y ait du courant encore ici. On va tenter d'allumer la lumière, on va voir. Mais ça m'étonnerait. Puis de toute façon, il n'y a même plus de néon, alors c'est sûr, ça risque pas de s'allumer.
C'est impressionnant. Alors, je ne sais pas si c'est le bâtiment qui garde cette fraîcheur comme ça, mais il fait très très froid. C'est des vieux murs en plus. Des vieux murs qui partent en lambeaux, regardez. L'expression est bien choisie là. Encore une ampoule. Bon, tout ça, je pense que ça devait être des chambres. Hein. Des chambres parce que là, ça devait être une sorte de bah, des toilettes. Ouais, des toilettes parce qu'on voit le bas de la cuvette. On va aller un petit coup sur le balcon. Coucou. On a l'impression que cette maison de repos est très très grande. Et je vais vous dire un secret, le sanatorium de Dreux est immense. En termes de taille, allez, je dirais il est 10 fois plus grand que la maison de repos. Et encore, je pense que je suis gentil. Je pense que je suis gentil. Bon, toujours des chambres, vous avez vu, ça se ressemble, hein. Mais je trouve que le bâtiment est quand même resté en bon état. On ne peut pas dire qu'il est dégradé. Il n'y a pas beaucoup de tags. Il n'y a pas beaucoup de tags et... Bon, les fenêtres sont cassées. Ça, c'était à prévoir. Mais regardez, ensemble, le bâtiment pourrait être rénové. C'est ça que je suis en train de dire. Pourrait être rénové. Bon, c'est des portes... Faudrait, je pense, les changer parce que c'est plus la, c'est pas la grande qualité. Je crois que ce couloir, on a fait le tour. On a l'impression que le couloir, il est immense. En fait, il est tout petit. Mais quand vous allez voir celui de Dreux, enfin du sanatorium plutôt. Bon, là, ça mène dehors. Bon, aucune raison d'aller s'aventurer en pleine forêt. Je n'en vois pas trop l'intérêt, à part de se perdre. Là, on revient à la cuisine. On revient dans le hall principal. Y a quoi par là? Ouais, c'est le tableau électrique où on était tout à l'heure. Avant d'aller au premier étage, on va aller par là.
Un long couloir sombre, des escaliers bien glauques. Bon, à votre avis, est-ce que j'y vais ou pas? Je serais bien tenté de dire oui. Tout en faisant gaffe de ne pas tomber. Mais c'est quoi, c'est une cave ça? Ouh, il fait frais, il fait très très frais. Ah, c'est ce qui s'appelle être en immersion totale. Ce que fait, c'est une porte, je sais pas ce qu'elle fait en travers, peut-être une interdiction, faut pas y aller, c'est mal me connaître. Qu'est-ce qui est écrit sur la porte? Eau froide, chauffage, vidanger. Pour revenir à ce soir, ça va être compliqué. Sachant qu'on a 2 jours pour rester sur le site. Alors je ne sais pas si on va faire l'enquête de nuit dans la maison de repos ou le préventorium pardon, qui est situé juste à côté. Il est à quoi? 100 mètres, même pas. On verra ce soir comment je le sens. Mais je pourrais pas faire des enquêtes de nuit ici et là-bas. Je vais perdre du temps et en plus pour le syndrome de Dreux, ça va être pire. Il va falloir que je quadrille bien les zones, que je cible les zones où je vais enquêter. Il y a un tuyau par terre. Hop. Bon là je peux pas pouvoir passer, c'est très étroit. Je vais essayer de zoomer pour voir jusqu'où il va le tunnel. Je suis même pas sûr qu'il y ait une sortie à l'autre bout. Ça sent l'armoire d'époque, ça. Enfin, si on peut appeler ça une armoire. Elle est costaud, mes mères. Hein. Non, c'est même pas une armoire, on dirait un frigo. Il y a un gros frigo. Eh ouais, réfrigération. Vous allez voir. Réfrigération électrique automatique. C'est pas une armoire, c'est un frigo. Bon, on va sortir les sous-sols. Et on va aller au premier étage. Thank you.
T'as eu peur? Oh, je suis en train de filmer, mais ça, je couperai au montage. Ça va? Ouais. Mon appareil photo, qu'est-ce qu'il y a? Il fait que des séquences, il a même pas le temps. Ouais, tu vois. Nous revoilà dans le rez-de-chaussée. Bon, on va attaquer maintenant le premier étage, donc je pense que point de vue chambre et agencement, ça doit être pareil. On va aller voir. Ouais, c'est bien ce que je pensais, les couloirs sont exactement les mêmes qu'au rez-de-chaussée. Ça m'aurait étonné le contraire. On va visiter quelques chambres. Belle armoire. Là, c'est pas un frigo, c'est sûr. Là, c'est une armoire. On va stocker du matériel. Je suis en train de regarder l'agencement des tuyaux et j'ai l'impression que c'était pas une chambre ça. Peut-être des douches ou peut-être. Eh ben non, je raconte des bêtises, c'est pas des douches. Ça doit être une cuisine, parce que vous voyez, il y a encore le monte-charge qui est là. Et qu'on a vu tout à l'heure qui donne au rez-de-chaussée. Donc c'est une cuisine. Cuisine du premier étage. Regardez cette porte, ou plutôt l'entourage de la fenêtre. On dirait une porte tout droit sortie d'un film d'horreur. Fait vraiment peur. Hein. Et c'est juste un tout petit bout de verre. Vous voyez le parc, comme je vous disais tout à l'heure, du centre aéré. On peut voir les. On peut apercevoir des jeux. Sûrement qu'utilisent les enfants. Bon, là, ça doit être une chambre. Sûrement. Et là, encore des toilettes. J'ai vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur, c'est impressionnant. On va aller par là. Je sais pas si vous entendez au micro. Mais on entend le des comme des sifflements, mais je pense que vu que le bâtiment est vide, il n'y a plus de meubles, le vent doit se propager dans le mur. C'est pour ça que ça fait des sifflements, mais c'est extrêmement angoissant. Je crains le pire pour ce soir en fait. Si je fais
si je le fais, bon là, il y a des gens, je ne vais pas filmer. Oui, je crains le pire pour ce soir, mais comme je disais, c'est pas sûr qu'on le fasse ici, donc on verra bien comment on le sort, ou peut-être qu'on fera dans les deux. Mais comme je vous disais, voilà, on n'a que 2 jours pour faire le tournage, et le salon d'ordre de rue, il est immense. Bon, une chose est sûre, l'épisode comportera plusieurs chapitres. La forêt, elle a l'air d'être immense quand même. Immense. Alors que je réfléchisse, est-ce que je vous ai tout montré? Bon, après, je vais pas faire les chambres, toutes les chambres hein, se ressemblent. Sinon, l'épisode va durer 2 heures. C'est pas mon but de vous montrer un épisode de 2 heures. Je crois que je suis en train de voir un touriste dans la forêt. Ça va, tu t'amuses bien? On va aller de l'autre côté. Ah, le hall, non, on n'a pas fait celui-là. On va aller voir. Petite chaise. Cam l'a mis là pour que je me repose si je suis trop fatigué, sûrement. Regardez l'état du plafond. Je voudrais pas qu'il me tombe sur la tête parce qu'il manque pas mal de morceaux. Et ce qui est inquiétant, c'est tous les débris qui sont là. Quelque chose qui est... Ouais, je sais pas comment... Il y en a un qui a passé le balai et qui a tout mis dans le coin. Donc par là... Il y a de l'eau qui tombe. Ah non, je vais pas m'amuser à y aller pour pas bousiller mon matériel. Bon, ça sent pas une chambre. Bon, je pense qu'on a fait le tour du bâtiment. Je pense que j'ai rien oublié, honnêtement. Regardez sur la fenêtre. Juste une dernière chose. On a l'impression que c'est du sang sur les vitres, c'est bizarre. Il y a eu un meurtre ici. Donc c'est sûr, ce soir, on aura des résultats. Ah, c'est vite. Pas évident pour passer, hein. Hop, voilà.
là. Ouais. Ça c'est bon. Tiens, on va booster un peu. Bizarre quand il y a beaucoup de différence de température. Ouais. Alors allume s'il te plaît. Coupe. Allume. Ouais, pas le sou. Il en reste une. C'est un gros trop fou le spectre. Vous avez pris les. Je les ai pris, ouais. Okay. Ils sont dans la chambre. C'est une recette. Ouais, j'ai fait. Mais... Ouais, je l'avais déjà vu. Je l'ai essayé. C'est bon, ça. Donc, on les met où les autres plans? Ils sont où, ça, là, non? Tu l'as allumé, là, avant? Ouais. Ouais, c'est bon. Donc, dans un plan, non? En bas? De quoi? Attends. Tiens, t'as l'étage, je me réjouis. Ouais. J'avais des vitamines, j'ai commencé à faire. Je vais prendre juste le bout. Ma mère, elle devait être tout bon maintenant. Ou alors je la mets dans la salle de machine. Ah là. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas bon. Allez, let's go.
Okay.